Félicitations! Vous avez gagné ce gros bébé en peluche! Waouh! Ouf! Marvel, transforme-toi en bras musclé! Oh! Ah, bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que Animi peut m'aider sur le chantier? Bien sûr. On revient bientôt. Dépêche-toi, Animi. Ça, Phil? Cette petite fille a un trésor. Non! Marcel, change-toi en Orbar. Rendez-moi ça!
Non, le trésor est à nous. Hein? Attendez, c'est juste un vulgaire collier de pâte. Regarde, ces marins d'eau douce, Phil et Maurice, cherchent un trésor. Allons leur montrer comment il faut faire. Hé, hey, les pirates du ciel veulent le collier de pâte. Il doit avoir de la valeur. Ramène-le-nous, Phil. Morphel, change-toi en dragon. Hé, c'est juste un collier de pâte, mais ça n'a pas d'importance. Si Phil et Maurice le veulent, ils ne peuvent pas l'avoir. Non. Regarde, ces respirateurs d'oxygène sont à la recherche d'un trésor. Mais nous sommes les pirates numéro 1 dans tout l'univers. Oh non, vous ne l'aurez pas. Voilà qui est mieux. Les pirates de la mer sont les seuls vrais pirates. Retire ça. C'est toujours pareil avec toi. On ne développera jamais notre entreprise si on n'innove pas. Et d'après toi, comment reconnaît-on un vrai pirate? Ton partenaire n'a même pas l'accent d'un pirate. Oh, ça, ça fait mal. Retournons à la maison, Morphel. Laissons ces pirates se chamailler. J'ai l'impression qu'ils ont des sujets de dispute plus importants que mon joli collier de pâtes. T'appelles ça un bateau? C'est juste une coque de noix dépassée. Oh, retourne donc dans l'espace avec ta calculette volante. Attends, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Non, d'une jambe. J'adore vraiment me déguiser. Morphel, change-toi en armure de chevalier. Voilà la pirate. Et moi une sorcière. Et moi un dragon. Oh, vous êtes drôlement bien déguisé. Bon, ne mettez pas trop de bazar pendant mon absence, hein. Je viens de nettoyer la chambre. Oui, papa. Ne t'inquiète pas. D'accord. À tout à l'heure. Je suis un chevalier. Je protège les citoyens de mon royaume. Chevalier Mila, s'il vous plaît, aidez-nous. Il y a un terrible pirate sur les quais. Oh non! Bien sûr que nous allons vous aider. Allons attraper ce pirate, Morphel. Je suis Agnès, la pirate. Je suis la plus féroce pirate du monde. Arrête ça tout de suite, pirate. Hein? Je suis le chevalier Mila et je vais t'attraper. Oh non, tu ne mourras pas. Oh non, Morphel, il me faut une épée. En garde. Chevalier Mila. Mais j'ai un navire pour m'enfuir. Waouh! Et mon bateau a un canon. Attention, Morphel. Poursuivons cette pirate. Morphel, ajoute des fusées à mon armure de chevalier. Oh non!
pirate. Je suis un dragon. Et maintenant, je vais mettre le feu à ton bateau. Morphel, change ton épée en bouclier. Un barbecue volant. Pirate, allons attraper ensemble ce dragon. Oui, je vais lui tirer dessus avec des bombes à eau. De n'oublier personne. Oh non. Oh oh. C'est la sorcière. Je suis la sorcière la plus puissante du monde. Nous devons l'arrêter. Je vais t'aider. Moi aussi. Mais comment? J'ai une bonne idée. Vous avez vaincu la sorcière la plus puissante du monde. Ouais. Oh non! Mila, Morphel, je venais juste de nettoyer la chambre. Oh oh. Hé, hey, Mila, regarde-moi. Je ne te vois pas, papa. Lève les yeux. Salut. C'est trop cool. Méchant papa. Laisse-moi partir, Orphel. Orphel aussi. C'est pas génial. Non, ce n'est pas génial. Ça y est, j'ai une idée. Et si nous faisions une course? Quoi? Ce serait amusant. Ok. Le premier qui atteint le sommet de la montagne gagne. À vos marques. Prêt? Non! Arrêtez ça! Waouh! Eh bien, ils sont rapides, ceux-là! Ils font la course jusqu'au sommet de la montagne! Eh bien, j'ai une récompense pour ça! Allez, c'est parti! Vous les avez bien nus. Et c'est assez intelligent. Bien joué, Morphel. Je ne me suis jamais senti aussi fort. Je crois que je connais un raccourci. Va par là-bas, Morphel. On les a semés, Orphel. Ouais. Quoi? Fais quelque chose, Orphel.
C'était génial. Voilà la montagne. Marvel, trop fatigué. Marvel aussi. Je vais gagner la course pour toi, Marvel. Non, sûrement pas. Qui a gagné? Je crois que c'est égalité. Égalité? Ne t'en fais pas, Mila. Un bon arbitre a toujours au moins deux récompenses avec lui. C'était super, Marvel. Je suppose que c'était assez amusant. De tous les temps. Il y a des loopings, des virages géniaux et elles montent très haut. Le seul problème, c'est que... Ah, il faut être grand comme ça pour monter. Ta-da! Je connais peut-être un certain professeur qui pourrait nous aider pour ça. Voilà qui devrait te transformer en adulte. Mais es-tu bien certaine de vouloir faire ça, Mila? Absolument! Bien, alors, c'est parti! Oh! Mila est très grande! Mila, c'est toi? Oh non, je suis la tante de Mila. Wow, vous vous ressemblez tellement. En tout cas, vous êtes assez grande pour monter. Amusez-vous bien. Désolée, mademoiselle, mais vous êtes bien trop grande pour monter ce dauphin. Oh! Je vais faire semblant d'être un professeur, Marvel. Je suis désolée, mademoiselle, mais vous ne pouvez pas entrer en classe. Je suis la tante de Mila. Ah, j'ai entendu parler de vous. Ravi de vous rencontrer, mais Mila n'est pas là. Je dois retourner en classe maintenant. Au revoir. Être adulte commence à devenir très ennuyeux. Il s'agit d'une cour de récréation pour enfants, mademoiselle. Je vais devoir vous donner une amende. Oh, je suis désolée, mais je ne peux pas payer ça. Je n'ai pas d'argent. Alors je vous suggère de trouver un travail. J'en ai assez. Je ne veux plus être une grande personne. Tu es sûre que tu veux redevenir une petite fille? Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Aussi longtemps que possible. Tag, c'est toi, loulou.
Reviens ici. Oh, ce serait super. C'est beaucoup de travail de construire un cabanon. Morphel, transforme-toi en marteau. Waouh, ça a l'air super, Morphel. Par contre, c'est un peu petit. Ne t'inquiète pas, on peut l'agrandir. Pas vrai, Morphel? D'accord. Alors, je vais commencer à peindre l'intérieur. Ah, voilà qui est parfait. C'est l'heure de faire une pause.
comme ça, papa aura encore plus d'espace. Qu'est-ce que vous faites? Nous construisons un abri de jardin. Ce sera le plus bel abri de tous les temps. Pour que ce soit le plus bel abri de jardin, il faudrait un toboggan et aussi un balcon. Oh oui, vous avez raison. Il faudrait qu'il soit plus haut. Mais nous avons utilisé tout le bois. Alors, allons en chercher d'autres. Morphel, transforme-toi en camion belle. Morphel, change-toi en scieuse et va couper tous ces arbres. Jusqu'à l'abri. Ok, Morphel. Maintenant, fais monter l'abri le plus haut possible. Comme ça. Ah oui, c'est le plus bel abri de jardin de tous les temps. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa, que penses-tu de ton nouvel abri de jardin? Descendez-moi de là. Oh. Ah, bien sûr. On a oublié de construire une échelle. Ne t'inquiète pas, papa, on est sur le coup. Morphel, allons chercher plus de bois. Non, me laissez pas tout seul. Mila, Morphel, vous êtes toujours là? Nous sommes en train de construire le plus haut immeuble de la ville. Mais aucune de nos grues n'est assez grande pour finir le projet. Mila, est-ce que tu pourrais demander à Morphel de se transformer en grue? Morphel, transforme-toi en grue la plus haute du monde. Génial! Merci beaucoup, Morphel. C'est le plus grand immeuble qu'on ait jamais vu dans cette ville. Tu as été vraiment fantastique, Morphel. Maintenant, allons jouer dans le parc. Morphel,
Regarde, transforme-toi à nouveau en grue. Incroyable! Mais d'où a bien pu venir ce vent tout d'un coup? Je ne sais pas. Le vent est parti désormais. Oh, regardez! Les humains sont bien plus marrants que je croyais. Tout là-haut dans mon château nuage, je suis toujours tout seul. Mais nous sommes désolés. Nous ne savions pas que nous avions construit notre gratte-ciel à travers votre château. On va le démolir et nous allons reconstruire un autre immeuble ailleurs. J'ai une bien meilleure idée. J'adore mon château nuage. Mais ici, je n'ai personne avec qui jouer. Mais pour mon plan, je vais avoir besoin de votre aide. Marfel, super, j'ai besoin de ton aide. Ce coquin de Sweeperbug a volé mes lunettes et les a cachées dans sa maison pour animaux. Ah, mes lunettes. Marfel, fatigué. Marfel fait toujours tout seul. Oh, je suis désolé, Marfel. Qu'on puisse faire tout ce que Marfel peut faire pour qu'il puisse faire une pause. Attends une minute, Mila. C'est une idée géniale. Voici le Glitterbug. Il peut transformer les humains en animaux de compagnie magique pendant une journée entière. Waouh ! Tu peux nous transformer en Marfel ? Waouh ! Waouh ! Oh ! Que nous pouvons nous transformer, tu peux prendre tout le repos dont tu as besoin, Marfel. Je vais me transformer en fusée.
Maintenant, comment est-ce que je vole? Est-ce que tu as vu ça, Stan? Si nous volons le Glitterbug, nous pourrons être des bandits Morphle. Les bandits Morphle, Oh, je peux me transformer moi-même. Mila, transforme-toi en voiture de course. C'est trop cool. Waouh. Mais pas facile. Comment je m'arrête? J'ai besoin d'aller plus vite. Oh, oh, oh. Jamais à attraper les bandits comme ça. Transformons-nous en un robot, papa. Un bateau. Allons-y. Wow. Oups. Papa, robot. Robot. Oh, un robot. Waouh. Non, Morphle, on s'en occupe. Tu étais fatigué de tout faire tout seul. Tu te souviens? Morphle pas fatigué si on travaille tous ensemble. Vous ne pouvez plus fuir, bandit. On n'a pas besoin de fuir. Glitterbug, transforme-nous aussi. Nous ne sommes pas Morphle, Stan. Non, mais vous êtes des animaux de compagnie magique. Oh non, cours! Nous avons sauvé Glitterbug. Yeah! Maintenant, jouons tous ensemble. C'est d'accord. Maintenant, c'est l'heure de la fusée. Méchante. Ah, si seulement nous avions notre propre Morphle. Regarde, Stan. Hey, Morphle, j'ai une idée. Un singe, rends-moi mon appareil photo. Oups. Est-ce que c'est pas génial? Quoi? Comment est-ce que vous êtes sorti de prison? Ah, pas dans ma ville. Oh non, c'est l'officier Freeze. Pas de problème. Morphle, transforme-toi en dinosaure. Un T-Rex? Oh non! J'ai pensé quand même que tu allais être un peu plus gros, dinosaure. Bah, mais c'est quoi ça? Oh non! Tu aurais pu empiler les voitures un peu mieux, Morphle. Morphle, transforme-toi en hélicoptère. Merci, Morphle. Les bandits et leurs singes ont mis mon appareil photo là-haut et ils se sont enfuis. Les bandits se sont enfuis avec un singe? Nous devons les poursuivre, Morphle. Les bandits ont utilisé une grue pour faire ça. Ils avaient aussi une grue? C'est vraiment étrange.
Merci, Morphle. Là, oh, les bandits. Et ils ont Morphle avec eux. Arrêtez, les bandits. Oh, c'est Mila et Morphle. Oui, mais nous avons Morphle. Transforme-toi en quelque chose de grand. On pourrait pas avoir des sièges ou quelque chose? Oh! Tu t'es transformé tellement vite que nous avons failli tomber. Fais attention. Tu ne peux pas aller un peu plus vite? Notre espace est beaucoup trop petit. Yeah, donne-nous un peu plus de place, Morphle. Ça suffit. Bon, dis pas à présent pour jouer. C'est ce qui arrive quand on est tout le temps méchant, les bandits. Mila et Morphle. Ah, ces deux singes se sont encore échappés. Il faut absolument qu'ils retournent aux eaux le plus vite possible. Est-ce que vous pourriez nous y emmener? Bien sûr. Morphle, transforme-toi en un plus gros bus. Merci beaucoup, Morphle le bus. Et vous deux, vous devez retourner à votre rocher très rapidement. Glace maintenant? Oui. Mila, Morphle, Sarah et moi sommes en retard pour l'entraînement de basket. Pouvez-vous nous y conduire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ok. Allons-y, Morphle. Morphle. Merci, Morphle. Ouais, merci. Bonne chance. On a enfin trouvé le camion de glace. Bonjour, les enfants. Quel parfum puis-je vous offrir aujourd'hui? Je pense que j'aimerais... Oh, Mila, Morphle, oh, vous êtes là. Téléfox a la grippe des animaux magiques et doit être transporté à l'hôpital. Pouvez-vous nous y emmener? Manger une glace. Ok. Allons-y. D'accord. Bon, et bien, à bientôt. Hein? Et pourquoi tu nous as emmenés ici, Morphle? Est-ce que l'hôpital a déménagé? Morphle n'a pas conduit ici. Ça doit vouloir dire que Téléfox a dû nous téléporter ici quand il a éternué. Ah, mais oui, ce doit être à cause de la grippe magique. Oh, je suis désolé, Morphle. C'est pas grave. Ok, nous devons nous rendre à l'hôpital rapidement. Morphle, transforme-toi en bus volant. Wow, chaud. Téléfox a dû vouloir aller dans un endroit chaud. Mais toujours pas d'hôpital. Côté hôpital, c'est le désert. Je n'ai jamais entendu parler d'un hôpital sous l'eau. Il n'y a aucun hôpital ici. Mais l'arbre qui porte les fruits dufteux pousse dans la jungle. Et le fruit dufteux est bien connu pour soigner la grippe des animaux magiques. Ah, je crois que j'en vois un. Waouh, c'est un papa jungle. Et le
docteur Abraham. Docteur Abraham, c'est dans la jungle? Ah, bonjour tout le monde. Puis-je vous aider? Téléfox a attrapé la grippe des animaux magiques. Il lui faudrait un fruit dufteux pour se soigner. Je pense que Papa Jungle peut nous aider, non? C'était une grande chance de vous trouver dans la jungle, docteur Abraham. La jungle? C'est la jungle que Papa Jungle a créée, juste derrière l'hôpital. Eh bien, tu as fini par nous emmener à l'hôpital malgré tout, Téléfox. J'étais sûr qu'il était là. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je vais vous apporter vos glaces. Regarde toutes ces jolies robes de princesse. Être une princesse doit être trop génial. J'aimerais être une princesse. Vraiment? Moi, j'aimerais vivre à ton époque. Mila? Lila? Ça va être amusant. Au revoir, Mila. Je pense que tu feras une grande princesse. Je l'espère bien. Allez, Morphle. On n'est pas des bandits, on est les percepteurs. Ya, princesse, elle est là. Pendant qu'il est parti en voyage, Messire Papa nous a chargé de collecter l'argent. Comme ça, on peut prendre tout l'argent qu'on veut. Eh bien, je suis la princesse maintenant et je dois aider mon peuple. Morphle, transforme-toi en armure de Messire Papa. Oh, Messire Papa, vous êtes de retour, bien sûr. Ok, Morphle, maintenant, allons rendre tout cet argent aux villageois. Ce n'était pas le vrai Messire Papa. Oh, c'est la princesse Lila. Bonjour les percepteurs, je reviens de mon voyage. Moi, Messire Papa. Mais oui, bien sûr. Tu ne nous piégeras pas deux fois. Enlève-moi cette barbe. Oh! Stan? Ça ne s'enlève pas. Tire plus fort. Aïe! Vous avez commis le plus grand des crimes de tout le pays. Tirez sur la barbe du roi. Je vais vous faire enfermer dans le donjon du château. Ah, Morphle, je ne savais pas qu'il était si difficile d'être une princesse.
Je me demande comment Lila se débrouille dans notre monde. Mais Stan, maintenant que nous avons fui le royaume, on ne pourra plus jamais être percepteur. je sais, Yann. Nous ne sommes plus les percepteurs. Et désormais, nous allons devenir des voleurs. Oui, et nos enfants, et les enfants de nos enfants, et les enfants de nos enfants. Oui. Et les enfants des enfants de nos enfants de nos enfants. Oh, mignon petit lionceau. Ça me fait tout bizarre de penser qu'un jour, tu deviendras très grand et très féroce. Avec le zapper que nous avons volé au professeur Rachid, nous pouvons transformer ces animaux en animaux géants. Moi. Nous allons passer une super journée au zoo, Morphel. Oui. Mila, Morphel, les bandits transforment tous les animaux du zoo en animaux géants. Oh non, on doit récupérer le zapper. Morphel, change-toi en super-héros. Au secours. Rendez-nous ces zappeurs, voleurs. C'est vraiment pas. Yann, à toi de jouer. Oh oh, on n'avait pas prévu ça. On reviendra. Oui, oui. Super. Occupons-nous maintenant des animaux du zoo. Là-bas, c'est le pingouin. Bonjour, monsieur le gardien de zoo. On est revenu. Super, mais... Oh. Ça alors? Et vous êtes devenu vraiment petit? Bah, petit ou grand, je vous aime quand même. Ils font beaucoup trop de bruit là-bas. Hein, Barky? Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
pourquoi un ballon est-il en train de ruiner ma superbe pelouse? Ah non, je ne crois pas. C'est mon ballon désormais. Pourriez-vous nous rendre notre ballon, s'il vous plaît, Monsieur Vent Debout? Non, hors de question. Comme ça, vous arrêterez de faire autant de bruit. Ah. Ah. Comment allons-nous récupérer notre ballon désormais? Morphle, singe malin. Oui, ça pourrait marcher. C'est bien fait pour toi, affreux singe. Oh, est-ce que tu vas bien, Morphle? Pas le ballon. Je crois savoir comment reprendre le ballon. Morphle, transforme-toi en pelleteuse. Maintenant, construisons un tunnel jusqu'au jardin du voisin. Et je dois dire merci, c'est ça? Assurons-nous maintenant que le ballon reste dans notre jardin. Morphle, transforme-toi en énorme monstre. Regardez les enfants, un dauphin! Comment une sortie scolaire à la mer pourrait-elle être meilleure que ça? Morphle, il nous faudrait un bus qui puisse voyager sous l'eau. Regardez là, c'est un banc de poissons. Oh, et par là, des méduses. Et une baleine. Et... bonjour. Attendez, mademoiselle. Ah, un requin. On ne doit pas rester là. Contourne-le, Morphle. Saperlipopette, c'est un endroit dangereux. On devrait rentrer. Oh non, c'est le géant de la mer. Qui ose m'appeler géant de la mer? Est-ce toi, minuscule petit homme? Je suis Neptune, roi de la mer. Salut Neptune, on est en voyage scolaire sous-marin. On s'amusait beaucoup, jusqu'à l'arrivée d'un requin. Oh, celui-là, il n'est pas si effrayant. Mais il est parti maintenant. Alors laissez-moi faire de votre voyage le meilleur voyage scolaire de tous les temps.
passer sans danger? Évidemment. Allez-y. Ok. Alors j'y vais. Oh, oh, yippee! Pour ce voyage extraordinaire, Neptune. Tout à fait, inoubliable. Tout le plaisir était pour moi. Revenez me voir quand vous voulez. Au revoir.